Bonjour, voici la série ACT Light de chez Deuter. La série ACT Light est des sacs de plutôt de volume intermédiaire, en fait entre 35 et 75 litres, pour porter des charges légères à moyennes. Effectivement, on est sur une version de sac très très léger, on est, pour vous rendre compte, à moins de 2 kg sur une version en 40 litres. Donc l'ACT Light disponible dans beaucoup de volumes, comme je le disais, et dans de nombreux coloris. Un sac épuré, on veut un sac léger, c'est ce pourquoi a été conçu le sac, donc un sac avec les accessoires essentiels pour votre rando sur plusieurs jours, à savoir un compartiment fond de sac, divisible ou non, pour venir stocker ici les objets que vous auriez à récupérer en priorité. On peut, en enlevant le zip qui est à l'intérieur, en dézippant, faire un seul compartiment pour le sac. Bien sûr, on aura accès aux éléments du sac par le dessus via le rabat. On retrouve sur le devant du sac une poche stretch, une poche filet, où on va pouvoir mettre un casque, on va pouvoir mettre un coupe-vent. Sur le rabat, on retrouve une poche sur le dessus, mais également sur le dessous, pour venir stocker tous les objets de valeur. Sur le côté, poche filet, bien sûr, assis de chaque côté, et des centres de compression qui vont faire office aussi de porte matérielle. Nous sommes sur des volumes qui commencent à être importants, 35 plus 10 pour ce produit-là. Donc le plus 10 veut dire en fait que le sac dispose d'une rehausse qui permet une contenance de 10 litres. On a aussi également, chose que j'allais oublier, la petite sangle qui permet de porter une corde ou de compresser également le contenu de votre sac. Je le disais donc, on est sur des volumes qui commencent à être importants et sur des formes tubulaires. D'où la nécessité d'avoir un système d'eau qui est réglable. Effectivement, en fonction des morphologies, en fonction de, il est important de pouvoir régler son dos. Le système VariQuick de chez Deuter, très simple d'utilisation, donc réglage des bretelles en hauteur. On ouvre le scratch, on détache, et puis il y a des sangles. Il suffit de venir prendre 4 passants ensemble et de venir rescratcher pour avoir le bon réglage. Vous voyez qu'il y a une belle possibilité, une belle hauteur de réglage possible. Tous les sacs Deuter avec armature métallique, donc tous les gros porteurs, à partir de l'ACT Light, ont une armature métallique avec un aluminium qui est somme toute assez souple. L'idée, ici le sac est préformé pour le dos, mais les gens ont un dos plus cambré, moins cambré, etc. Donc on peut venir exercer des pressions pour donner la forme du dos que l'on veut à nos sacs à dos grand volume. L'ACT Light en fait partie et du coup le sac est customisé et parfaitement adapté à votre morphologie. Enfin, ici on a la version ACT Light 35 plus 10 SL, donc Slim, qui est un sac dédié aux dames et aux petits messieurs. On a la version classique et les différences entre les deux sont la hauteur de dos, l'angulation et la forme des bretelles qui fait qu'elle passe plus vite sous les bras pour laisser libre la poitrine. Et enfin, une ceinture lombaire dessinée différemment pour s'adapter soit aux hanches des dames, soit aux hanches des messieurs. Voilà pour la série ACT Light, votre porteur ultra léger pour vos randos sur plusieurs jours.